Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 27 octobre 2020 à 19 h par visioconférence. Donc, considérant que le Conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant les mesures exceptionnelles adoptées par décret du gouvernement provincial pour faire face à la pandémie de COVID-19, permettant au Conseil municipal de siéger à huis clos et permettant à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, sans nécessairement devoir être présent en personne. Donc, la séance se fera en présence de M. Jean Giroux du district 1, de Mme Laurie Thibault-Julien du district 2, de M. Francis Côté du district 4, de M. Louis-Georges Thomassin du district 5 et de Mme Édith Couturier du district 6, en l'absence de M. Jimmy Laprise du district 3, formant quorum sous la présidence du maire, M. Carl Thomassin, en présence du directeur général, M. Marcoux, et de la greffière adjointe, Mme Andréane Turcotte. Monsieur le maire, on vous demanderait d'allumer votre micro, s'il vous plaît. Ton micro est fermé, Carl. Oh, ça va aller mieux comme ça. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux conseillers, conseillers, conseillères, aux membres de la direction. Comme vous voyez ce soir, compte tenu de la pandémie, on doit aussi faire à nouveau notre séance enregistrée, là, comme le prévoit le décret. Dès qu'on va pouvoir procéder autrement, soyez-en sûrs qu'on va le faire. Fait que, comme à l'habitude, je vais vous demander là, au public d'être un peu indulgent. Ce n'est pas tout le temps facile de procéder de cette façon-là, mais on va faire notre possible pour que ce soit une séance intéressante. On va débuter avec, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Ça va pour tout le monde. En commençant par M. Giroux. Pour. Pour. Francis. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant... les correspondances. Ce mois-ci, je n'ai pas de correspondance particulière à vous faire part. On va donc passer au point suivant, qui est le mot du conseil. Est-ce que, M. Giroux, vous avez un mot pour ce soir? Je vais passer mon tour, M. le maire. Merci. Merci beaucoup. Mme Laurie? Non, merci. Francis? Bon pour moi, merci. Louis-Georges? Non, merci. Edith? Oui, ce soir, je voudrais juste demander aux gens, la semaine passée, notre comité de la circulation, on a mis un petit sondage sur le site Internet de la Ville, sur toutes les plateformes, en fait. Alors, ce serait plaisant que le plus de monde possible y réponde. Ce petit comité-là, il a été formé pour vous autres, les citoyens, donc on veut des réponses de vous autres, les citoyens. C'est vraiment votre pouls qu'on veut avoir. Alors, ça fait déjà une semaine qu'il est là. J'ai été voir tout à l'heure, il était encore sur le site très proche là, de la ville de Sainte-Brigitte, donc vous pouvez aller le chercher. Et c'est très rapide, il y a juste 11 petites questions, ça prend que quelques minutes là, de votre temps et ça serait vraiment apprécié. Alors, voilà. Merci beaucoup, Mme Couturier. De mon côté, bien, ce soir, je vais vous parler un petit peu des points qu'on a à l'ordre du jour. En débutant, M. Côté va déposer un avis de motion pour l'adoption à venir d'un règlement sur l'entretien des rues privées. Juste vous rappeler que cette démarche fait suite à une consultation publique qu'on a débutée l'an dernier. En octobre l'an dernier, là, il y avait plusieurs personnes à l'église de Réunis, les gens qui demeurent dans les rues privées. Pour justement entendre leur point de vue. On les a entendus et on prépare un règlement là, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. On va vous soumettre ça. Fait que M. Côté va déposer un avis de motion. En fait, l'idée là-dedans, c'est d'arriver de bien encadrer l'entretien des rues privées. Un règlement qui va être précis, qui va être durable et surtout fait en collaboration avec les propriétaires. Au point 7, il y aura l'adoption de la politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif. Encore là, cette adoption découle d'une large consultation publique où on a été voir là, bon nombre d'associations qui travaillent, des bénévoles qui travaillent sur le terrain directement ici à Sainte-Brigitte. Donc, c'est un guide qui va venir supporter les bénévoles, qui va venir supporter les organismes.
Fait que cet outil-là qu'on s'est doté, c'est un outil qui est très important pour la ville et pour les organismes. C'est une façon de faire qui va nous aider dans le temps. Fait que, c'est une très belle réalisation, ça aussi. Au point 20, M. Thomassin va nous présenter une résolution afin que la ville débute la démarche pour être reconnue comme municipalité amie des aînés. Ça fait un bout de temps qu'on parle de cette démarche-là. On est prêt maintenant à entreprendre cette démarche-là. On va demander, il y a des demandes de subventions à faire pour, on peut avoir de l'aide gouvernementale pour réaliser cette politique-là. Donc, encore là, c'est un contrat, c'est un gros chantier qu'on ouvre. Ça va prendre les échéanciers. Là, on parle de plus d'une année pour réaliser ça, un an et demi. Donc, ça va commencer ce soir. Fait que cette politique d'adhésion-là va permettre d'améliorer la qualité des services qu'on rend à la population. Puis, ce qui est important aussi encore là, c'est qu'on va consulter la population. Les gens qui sont directement impactés par cette politique-là vont être consultés. Je pense, entre autres, c'est surtout ça, dans un premier temps, ça s'adresse aux personnes sages, qu'on va dire, là, nos personnes de l'âge d'or, nos sages. Donc, les gens de l'âge d'or vont être consultés, entre autres les gens du comité de l'âge d'or et quelques autres groupes de Sainte-Brigitte qui ont des activités plus particulièrement pour cette catégorie d'âge-là. Fait que voilà pour ce qu'on a, entre autres, à l'ordre du jour ce soir que je voulais là, attirer votre attention. Je veux aussi vous dire que lors de la prochaine séance, soit le 10 novembre, nous allons déposer, comme prévoit la loi, les états comparatifs au 30 septembre 2020. Ce document financier donne un portrait des 9 premiers mois de l'année et c'est ce qui va nous permettre d'entreprendre les travaux du budget là, qu'on va faire en novembre. Et ce document-là va aussi, là, ça va être un document qui va être public là, une fois qu'il sera déposé. Fait que, voilà pour le mot du maire ce soir. On va poursuivre au point 5 avec M. Côté, l'avis de motion. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Comme vous l'avez bien dit tantôt, là, c'est au niveau du règlement concernant l'entretien des rues privées. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal un règlement concernant l'entretien des rues privées. On aura probablement un premier projet de règlement en novembre et adoption finale prévue décembre. Merci beaucoup, M. Côté. Au point suivant, point 6, M. Giraud. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je vous présente l'adoption du second projet de règlement pour le règlement 885-20. Règlement de zonage qui amende le règlement 455-04 qui a été adopté le 9 février 2004. C'est un règlement de zonage qui est entré en vigueur le 26 mars 2004. Donc, considérant qu'il y a lieu d'ajouter une nouvelle sous-classe d'usage dans la réglementation relative à la garde, à l'élevage et à la pension de chiens et de chats, et d'établir les zones pouvant exercer ce type d'usage. Considérant aussi qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 18 août 2020, et aussi que le premier projet de règlement 885-20 a déjà été adopté lors de la séance du Conseil municipal le 8 septembre 2020. Alors, considérant que le premier projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, conformément aux arrêtés ministériels décrétés par le gouvernement provincial. Et suite à cette consultation, aucun citoyen n'a manifesté d'opposition. Donc, considérant aussi que le premier projet de règlement a été modifié afin de se conformer au schéma d'aménagement de la MRC de la Jacques-Cartier, pour préciser que la nouvelle classe d'usage s'applique uniquement à la pension, à la garde et à l'élevage de chats et de chiens. Considérant aussi, pour finir, que le projet de règlement était disponible pour consultation 2 jours juridiques avant la présente séance et à la disposition du public dès le début de cette séance. Il est donc résolu
d'adopter le second projet de règlement 885-20, règlement de zonage qui amende le règlement 455-04, de soumettre le présent règlement à l'approbation des personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi, d'autoriser M. le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande le vote. Contre. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, avec vous, Mme Couturier, au point 7. Bien, en fait, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est concernant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Alors, c'est un travail, comme vous avez expliqué tout à l'heure, que ça fait un an que ça se travaille. Alors, je voudrais remercier le service des loisirs pour leur travail dans ce dossier-là. Ils ont respecté les échéanciers, puis on est capable de l'adopter ce soir. Alors, il est résolu d'adopter la politique POL-032-20, politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, et d'autoriser les personnes habiles, adjointes à signer les documents afférents. Alors, je vote pour, bien entendu. Je demande à mes collègues de voter aussi. Alors, pour. Pour. Je suis très heureux, M. le maire, de ce pas en avant de géant de la ville, et je vote pour. Pour. Merci. Merci, Louis-Georges. Au point suivant, au niveau du greffe, l'adoption du procès-verbal de la séance du 13 octobre. Les conseillers, vous avez eu le procès-verbal, donc je demande qu'on adopte le procès-verbal du 13 octobre dernier. On passe au vote, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, Mme Turcotte, un dépôt de rapport. Oui, en fait, il s'agit du dépôt du rapport annuel pour l'année 2019 concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. C'est un dépôt qui est fait conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Donc, le document va être disponible sur le site Internet de la ville au cours des prochaines semaines. Merci, Mme Turcotte. On poursuit avec vous, M. Côté, pour l'adoption des calendriers des séances 2021. Oui, donc en 2021, on va suivre la même politique un peu que cette année, c'est-à-dire on va rester les mardis. On a vu que c'était un bon outil de travail pour tout le monde de mettre ça le mardi plutôt que le lundi. Donc, adoption du calendrier des séances, considérant que l'article 319 de la loi Cités et Villes prévoit que le Conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois. Il est donc résolu d'adopter le calendrier des séances de l'année 2021 selon les dates suivantes, soit 19 janvier, 9 février, 9 mars, 23 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 17 août, 14 septembre, 5 octobre, le 23 novembre et le 14 décembre. Que les séances ordinaires du conseil municipal se déroulent au bâtiment du service du parc des Saphirs. De procéder à l'affichage du calendrier des séances ordinaires conformément à la loi et d'autoriser le maire, directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On continue avec vous, M. Côté, au niveau des approvisionnements. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est l'adjudication de contrats à BZ pour des services informatiques. Donc, considérant que les besoins de la ville en services de soutien informatique, considérant l'offre du service transmise par BZ Incorporé, considérant que la ville a plusieurs projets informatiques en cours avec BZ Incorporé et que l'entreprise offre un service satisfaisant répondant aux besoins de la ville, et qu'un contrat avait été adjugé à BZ Incorporé pour des services de soutien informatique du 12 juin 2018 au 11 juin 2020. Considérant la recommandation favorable de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu d'adjuger le contrat à BZ Incorporé pour les services de soutien informatique du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 pour un montant total de 32 400 $ avant les taxes applicables, conformément à l'offre de service.
d'autoriser le maire, le directeur général, le directeur général adjoint de signer les documents afférents. Je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Thomas Saint. Oui, bonsoir. Adjudication de contrat à des entreprises LT incorporées pour la fourniture de pierres concassées à Brésil de 3 mm. Considérant que l'appel d'offres public SBDL 2020-07 pour la fourniture de pierres concassées à Brésil de 3 mm a été publié sur SEAO le 9 octobre, le dépôt et l'ouverture des soumissions ont eu lieu le 26 octobre 2020. Considérant que les deux soumissions reçues sont conformes au devis de l'appel d'offres publiques, considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, il est résolu d'adjuger un contrat à les entreprises LT incorporées pour la fourniture de pierres compensées pour 3 ans, du 1er novembre 2020 au 31 mai 2023. Les prix pour la première année, c'est 27,50 la tonne métrique. La deuxième année, 31 la tonne métrique. Et la troisième année du contrat, 33 la tonne métrique. Et ces tarifs-là sont excluant les taxes. Donc, il est résolu d'autoriser le maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à signer les documents. Et je vote pour. Jean. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, c'est l'annulation d'un appel d'offres pour l'aménagement rustique du sentier pédestre des dunes. En fait, on a fait un appel d'offres. Malheureusement, on n'a reçu aucune soumission. Fait que, considérant la recommandation favorable de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières d'annuler l'appel d'offres sur invitation 2020-04. Il est donc résolu, avec ce qu'on va faire, on va refaire une nouvelle appel d'offres. Il est donc résolu d'annuler l'appel d'offres, comme je viens de vous dire, 2020-04. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut autoriser la Ville à lancer un nouvel appel d'offres au moment opportun ou de solliciter de nouveaux contrats conformément aux dispositions prévues par le règlement 865-20. Portant sur la gestion contractuelle. Et que je demande le vote. Pour. 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 Merci, Mme Couturier. Monsieur Giroux, au point suivant, un PIA. Donc, c'est une demande de PIA pour le 23 et le 25 rue de la Fabrique. La demande a été déposée le 22 août 2020. L'ensemble des places et documents requis pour l'analyse a été déposé aussi ultérieurement. Cette demande de PIA a été reçue la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui a par contre posé une condition dont je vous ferai part un petit peu plus loin. Il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA numéro 2019-0037 pour la construction de deux bâtiments principaux aux 23 et 25 rue de la Fabrique, conformément aux documents soumis au CCU le 22 septembre 2020 et conditionnellement, comme je vous le disais, à ce que les couleurs de revêtement extérieur soient différentes d'un bâtiment à l'autre. D'autoriser le maire, directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec vous, M. Giroux, au point suivant. Un autre PIA. Oui, tout à fait, M. le maire. Une autre demande de PIA. Celle-ci, c'est le 2019-0047. C'est une demande qui a été déposée le 12 mai 2020. La demande de ce soir, on se souvient qu'un addenda, c'est un changement. Donc, la demande de changement ou d'addenda à ce PIA a été déposée le 23 septembre 2020. Et l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse a été déposé. Ça rejoint en tout point les objectifs et critères des PIA. Et le comité consultatif d'urbanisme qui a étudié cette demande, bien sûr,
a donné son approbation et il est donc résolu d'autoriser la demande d'addenda au PIA numéro 2019-0047 pour l'aménagement d'un aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés situé au 71 chemin Fleming, conformément aux documents soumis au CCU le 20 octobre 2020. Alors, je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, en loisir, c'est l'autorisation de signature des contrats des professeurs pour la session automne 2020. Considérant que plusieurs activités de loisirs sont offertes dans le cadre de la programmation de loisirs de l'automne 2020, la ville de la ville, et que le nombre d'inscriptions reçues permet au service des loisirs des sports, de la culture et de la vie communautaire de démarrer différentes activités sous le principe de l'utilisateur payeur. En fait, je veux vous dire tout de suite, là, cette recommandation-là, cette résolution-là, là, c'est, on se prépare à ce que les cours reprennent. Là. C'est sûr qu'il y a des cours, il y avait en masse de gens qui s'étaient, bon nombre de gens qui s'étaient inscrits. Dès qu'on va avoir l'autorisation du gouvernement de reprendre les cours, on va reprendre ces cours-là. Et soyez assurés là, que les professeurs vont être payés au prorata des cours donnés. Fait que, on veut juste normaliser la situation et être prêt si on peut débuter les cours. Donc, il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et des sports de la culture et de la vie communautaire, Mme Nathalie Gagnon, a signé des contrats de service avec les contractants suivants pour animer les activités de loisirs de la programmation automnale 2020. Et que les contractants suivants s'engagent à respecter le contrat qui leur est attribuable. Donc, pour le CIRC, on a Flip Top, la danse hip-hop, on a l'école, la danse hip-hop et la danse enfantine, on a l'école de danse performance. Gymnastique et cheerleading, c'est Brasilia. On a entraînement du midi, Mme Jennifer Drouin. Le karaté, c'est Studio Uni NDL. Le yoga, c'est Mme Elisabeth Tremblay. Yoga sportif, Mme Julie Bourgeois. Puis le Zumba, cœur à l'ouvrage. Cadvenant, comme je vous disais, là, l'annulation des cours en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie ou d'une décision de la ville découlant de ces mesures de payer les professeurs au prorata des cours donnés durant la session. Donc, je demande le vote, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec vous, Mme Couturier. Oui, c'est concernant la sécurité publique cette fois-ci. Donc, c'est l'autorisation de signature pour le dépôt d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de la Jacques-Cartier dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, dans le fond, c'est une subvention qu'on a droit de demander pour la formation de nos pompiers, pour la mise à niveau de nos pompiers. Alors, considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence sur notre territoire. Alors, considérant que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, bien entendu, désire bénéficier de cette aide financière offerte par ce programme, parce que pour l'année qui s'en vient, on a deux groupes de formation qui sont prévus, le pompier 1 et les mâchoires de vie d'incarcération. Quand on a fait l'achat de notre camion de pompiers l'an dernier, on avait avec le camion des mâchoires de vie. Donc, bien entendu, il faut que nos pompiers soient formés pour les utiliser, savoir les utiliser. Alors, il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Jacques-Cartier et d'autoriser le maire et la directrice générale et la directrice adjointe à signer les documents afférents. Bien entendu, je vote pour et je demande à mes collègues aussi de voter. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec une autorisation de signature, M. Côté. Oui, encore là, c'est dans la perspective d'une demande de financement. Donc, c'est une autorisation de signature et confirmation d'engagement pour une aide financière au programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air pour 2018 jusqu'à 2021.
Donc, considérant que la Ville souhaite déposer un projet admissible à une aide financière à ce programme, considérant également que la Ville reconnaît que les sommes nécessaires afin d'assurer sa part de financement, c'est-à-dire 20 % de ce projet est disponible, considérant le souhait de la Ville d'assurer l'entretien du sentier, considérant qu'une demande d'aide financière en règle a été déposée et que le projet rencontre les critères d'évaluation du programme, il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval autorise la présentation du projet de la mise en valeur du sentier de la montagne à deux têtes au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air pour la période 18-21, de confirmer l'engagement de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval à payer sa part du financement, soit un montant représentant 20 % des coûts admissibles à l'aide financière, ainsi que la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval confirme que M. Marc Proulx, directeur général, est la personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-haut. Je demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup, Mme Couturier. Au point suivant. Alors, c'est une autorisation encore, une autorisation de signature pour une lettre d'entente pour le service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. En fait, c'est que notre plan municipal de sécurité civile prévoit que lorsqu'il y a des sinistres, que nous puissions compter sur la Croix-Rouge pour aider, répondre aux besoins des sinistrés. Alors, nous avons une entente avec la Croix-Rouge relativement à ces services, puis celle-ci, bien, notre entente venait à échéance à la fin de l'année 2020. Donc, bien entendu, on veut la renouveler pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc, considérant que la Croix-Rouge, partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister à des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Alors, considérant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres. Considérant que la Ville a la volonté que la Croix-Rouge de convenir une entente avec eux autres, alors il est résolu d'autoriser le maire et le directeur général à signer au nom de la Ville la lettre d'entente « Services aux sinistrés » et tous les documents relatifs à cette entente. Et je vote pour. Tout à fait d'accord avec cette entente. Alors, je vote pour, bien sûr. Laurie, je ne t'ai pas entendu, Laurie. Oui, ça va, tu es pour? Pour. Merci. Pour Francis. Aussi? Pour. Pour. OK. Oh. Ça allait. OK. Merci beaucoup. Excusez, peut-être que le son n'était pas bon, je ne vous avais pas entendu. Louis-Georges, au point suivant, dépôt d'une demande dans le cadre de la démarche du MADA. Oui. Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA et désignation des personnes responsables du dossier. Considérant que la démarche MADA vise à aider les municipalités et les MRC désireuses d'encourager la participation active des aînés au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d'une société pour tous les âges. Considérant que la Ville souhaite participer à cette démarche et élaborer une politique municipale en faveur des aînés, considérant que le programme de soutien à la démarche MADA vise à soutenir la réalisation d'une politique municipale en faveur des aînés, et du plan d'action qui en découle, considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, il est résolu que le conseil municipal autorise le dépôt pour le programme de soutien à la démarche MADA dans le cadre du volet 1, soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, de désigner M. Carl Thomassin, le maire, comme élu responsable du dossier aîné, de désigner Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, représentante de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval pour le suivi de la demande d'aide financière, ainsi que la signature de la convention d'aide financière et de la reddition de comptes, et d'autoriser Mme Gagnon à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette entente et j'en demande le vote. Pour. Pour.
Très heureux de voir le premier pas dans cette direction-là et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, M. Giroux. Alors, le prochain point, c'est une acceptation et une autorisation de signature pour le contrat d'entretien hivernal et estival de l'avenue Sainte-Brigitte Sud avec le ministère des Transports. En fait, c'est qu'on va prendre une entente, qu'on reconduit une entente pour les trois prochaines années avec le ministère du Transport de Québec pour l'entretien hivernal et estival de l'avenue Sainte-Brigitte Sud, moyennant une entente particulière avec le MTQ qui va nous verser des montants et ce sera la ville de Sainte-Brigitte avec les travaux publics qui vont entretenir la route. Donc, ça nous donne plus de flexibilité et d'autonomie. C'est ce qu'on veut ici à Sainte-Brigitte. Donc, considérant que la Ville a sur son territoire une portion de route appartenant au ministère des Transports, soit l'avenue Sainte-Brigitte-Sud, qui va d'allant des limites de la Ville de Québec, l'arrondissement de Beauport, jusqu'à l'intersection de la rue Hauteclerc. Considérant aussi que la Ville doit reconduire l'entente avec le MTQ, je précise encore que c'est un contrat, une entente qui sera d'une durée de 3 années. Donc, il est donc résolu d'autoriser le directeur général à signer l'entente pour l'entretien hivernal et estival, valide de l'automne 2020 au printemps 2023, à intervenir entre la Ville et le ministère du Transport de Québec, que le ministère des Transports de Québec verse à la Ville une somme de 84 350 $ par année pour l'entretien hivernal et estival de l'avenue Sainte-Brigitte-Sud. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions. Je vais demander à Mme Turcotte de lire les questions que nous avons reçues et je vais répondre là, au meilleur de mes connaissances à ces questions. Donc, comme à l'habitude, nous ferons une lecture telle quelle de ce qui nous a été transmis. Donc, notre première question provient de M. Michel Côte-Noir du 364 rue Saint-Louis. Donc, sa question est « Qu'est-ce qui justifie l'installation d'un groupe électrogène? » Merci, M. Côte-Noir, pour votre question. En fait, oui, vous avez vu apparaître là, dans les dernières semaines un groupe électrogène là, qui est installé ici à côté de la mairie. En fait, il y a eu un appel d'offres en février 2020. Le contrat a été donné à Ardel Électrique pour un montant de 108 629 $. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a eu une subvention de 50 % du montant qui était une subvention donnée par l'agence 911 dans le cadre du programme d'aide à la préparation au sinistre. Vous savez, puis pour répondre précisément à votre question, là, l'hôtel de ville, c'est le centre de coordination lorsqu'il y arrive des mesures d'urgence. Et souvent, on n'avait pas l'électricité. Donc, si on n'a pas l'électricité, ça devient difficile de donner des services adéquats à la population parce que les serveurs de la ville ne fonctionnent pas. Donc, avec l'arrivée de cette génératrice-là, on va être en mesure que notre centre de coordination des mesures d'urgence soit tout le temps fonctionnel, à moins que la problématique soit ici à l'hôtel de ville, mais le fait d'avoir ce groupe électrogène-là va permettre de bien tenir nos séances de coordination. Là, souvent, soit qu'on a des gens de la Sûreté du Québec qui sont avec nous, ça peut être bon, nos pompiers premiers répondants, l'Hydro-Québec, tous les acteurs impliqués, si c'est pour une inondation, on a des gens là, qui s'occupent plus aussi des inondations. Fait que le groupe électrogène est vraiment de nous rendre, l'objectif est de nous rendre plus fonctionnels pour le centre de coordination. Et aussi, s'il y a on va en profiter à savoir que s'il y a des pannes électriques, bien, le personnel ici à l'hôtel de ville peut demeurer et continuer à travailler. Fait que voilà, M. Côte-Noir, j'espère avoir bien répondu à votre question. Fait que merci beaucoup à vous. Donc, notre prochaine question vient de M. Daniel Racine au 25 rue Saint-Émile. Voici la question. Je suis résident du Trèfle d'Or. Le climat est malsain à la résidence. Dernièrement, il y a eu 2 démissions, celle du DG et d'une cuisinière, qui étaient en poste depuis plus de 7 ans.
Deux résidents ont quitté il y a quelque temps l'espace d'un mois pour aller demeurer dans une autre résidence. Le CIUS a retenu comme étant fondé des plaintes déposées par des usagers. Que compte faire M. Louis-Georges Thomassin qui siège sur le CA de la résidence comme représentant de la ville? Merci, Mme Turcotte. Je vais donner une première partie à la réponse et Louis-Georges, M. Louis-Georges, si vous voulez qu'on passe la parole après. Juste vous dire, M. Racine, là, on a échangé à quelques reprises là, lors des dernières semaines, des derniers mois. Là. Ça fait quelques fois que je discute avec vous. J'ai pris le temps de vous écouter. Je vous ai bien expliqué aussi quel était le rôle, mon rôle à moi comme maire et le rôle aussi à Louis-Georges qui siège sur le comité, sur le CA de la résidence du Trèfle d'Or. Louis-Georges est un des membres du CA de cette résidence-là. La situation que vous venez de dénoncer, M. Racine, elle est bien connue par le CA. Ce que moi, je me suis assuré, et je l'ai fait en collaboration avec Louis-Georges, c'est que le CA a adopté une résolution pour faire la lumière sur la situation que vous dénoncez, M. Racine. Fait que soyez assuré, M. Racine, que Louis-Georges suit la situation de très près et que je travaille ce dossier-là en collaboration avec M. Thomassin. Fait que voici M. Racine. Louis-Georges, est-ce que tu veux compléter? Je ne sais pas si tu as des éléments supplémentaires à ajouter. Oui. Oui. Tu peux y aller? Oui. Que compte faire Louis-Georges Thomassin? Bonsoir M. Racine, dans un premier temps. Il y a trois volets dans votre question. Le premier volet, c'est votre question. Comme membre du CA, je vais accepter le départ, si on veut, des deux employés. Contrairement à ce que vous mentionnez, le directeur général, c'est une retraite planifiée depuis quelques mois et non une démission. Pour la deuxième, la cuisinière, encore une fois, on parle de réorientation de carrière et non une démission. Le deuxième volet, vous mentionnez le climat malsain à la résidence. Eh bien, sur le CA siège une représentante des locataires. Lui en avez-vous parlé de ce climat-là? Est-ce que c'est votre opinion personnelle ou bien ça reflète, si on veut, la situation de tous les résidents? Le troisième volet, vous mentionnez qu'il y a eu des départs de deux résidents. Mais encore une fois, vous ne faites pas mention qu'à peu près dans la même période, il y a eu l'arrivée de trois nouveaux locataires à la résidence. Autre chose, pour finaliser, depuis la mi-mars, nous vivons une situation exceptionnelle, une période difficile, la pandémie. On doit respecter l'ensemble des consignes de la santé publique pour le bien de tous et ce n'est pas facile pour personne, que ce soit à la résidence, le Trèfle d'Or ou ailleurs, et même nous, dans nos familles, il n'y a rien de facile. Donc, j'espère que si par la suite, vous avez besoin d'explications additionnelles, eh bien, je suis ouvert. Merci. Merci, Louis-Georges, pour le complément à la réponse. Puis, je vous le répète, là, M. Racine, ça se peut être des moments pas faciles, mais il y a des gens autour de vous pour vous aider, pour vous supporter. Voilà, on peut passer à la question suivante, Mme Turcotte. Oui, il s'agit de notre dernière question. Et elle provient de M. Didier Bonaventure du 245 Avenue Sainte-Brigitte. Donc, M. le maire, constatant que la pandémie vous éloigne de la population, que les occasions de vous adresser à tous sont rares et que la distance fait que nous ne pouvons pas réagir en direct ni ajuster nos questions posées, ne devriez-vous pas prendre plus de temps pour mieux nous répondre? Cela en étant plus pédagogique, c'est-à-dire en utilisant plus d'exemples, de faits, et de support visuel pour vous donner une chance qu'elle soit plus acceptable et, de notre côté, plus satisfaisante. Merci encore, M. Bonaventure, pour votre question. En fait, je suis un petit peu surpris. Habituellement, les commentaires que je reçois, M. Bonaventure, c'est que je réponds très bien aux questions, que les gens sont satisfaits des réponses que je leur donne. C'est sûr qu'on a chacun notre style. J'ai le mien, vous avez le vôtre. Je suis élu comme maire, c'est à moi de répondre. Donc, je vais prendre en considération vos suggestions. Fait que merci pour vos suggestions, mais c'est de la façon que je réponds aux citoyens. Et les citoyens savent très bien que si la réponse ne leur satisfait pas,
je le répète presque à toutes les séances. Si vous avez une question, vous pouvez appeler à la ville, vous pouvez contacter vos conseillers, conseillères de secteur. La porte de mon bureau demeure ouverte. Laissez-moi un courriel, laissez-moi un message et je rappelle l'ensemble des citoyens dans les 24-40 heures qui seront. Merci à vous pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mme Turcotte? Non, c'était la dernière question. C'était la dernière question, parfait. On serait rendu au point suivant qui est la levée de l'Assemblée. Juste avant qu'on lève l'Assemblée, je vais vous rappeler que la prochaine Assemblée du Conseil va avoir lieu mardi le 10 novembre. Nous allons être encore en visioconférence comme présentement parce qu'on va être encore en zone, fort probablement encore en zone rouge. J'en profite pour sensibiliser et demander à la population de Sainte-Brigitte de prendre au sérieux les consignes qui nous sont demandées si on veut s'en sortir de cette pandémie-là. Je pense que tout le monde ensemble, la population de Sainte-Brigitte, on est capable de redonner un petit coup là, pour faire baisser ces statistiques-là. Fait que voilà, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vais demander le vote pour la clôture de l'Assemblée. Monsieur Giroux? Pour. 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 Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée et au 10 novembre pour la prochaine Assemblée. Bonsoir.